Les signes d'un pancréas malade que peu de gens connaissent. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toute heureuse de vous avoir à nouveau. Je m'appelle Suzanne. J'espère que vous allez bien. Et si ça ne va pas, ça va aller. Bienvenue sur votre canal de santé et du bien-être 100% naturel. Si vous aimez prendre soin de votre santé avec les meilleurs conseils santé, les meilleurs remèdes naturels faits maison, abonnez-vous à ma chaîne YouTube au cœur du bien-être et surtout, activez toutes vos notifications tant pour être parmi les premiers à recevoir nos nouvelles vidéos chaque jour. Car nous partageons minimum 2 vidéos chaque jour. Surtout, likez cette vidéo si vous aimeriez revoir plusieurs autres vidéos à ce sujet et partagez la vidéo afin que ça puisse aider un maximum de personnes. Sans plus perdre de temps, c'est parti. 80% des cas de pancréatite sont dus à des calculs biliaires et à de mauvaises habitudes alimentaires comme la consommation excessive de graisse ou d'alcool. Le pancréas est un organe indispensable à notre corps. Il est donc impératif de connaître les raisons et les symptômes qui peuvent causer un dysfonctionnement à son niveau, afin de prévenir de possibles complications plus sérieuses. Le pancréas est situé derrière l'estomac et sa fonction est de produire des enzymes. L'insuline et le glucagon sont également très importants pour réaliser la digestion. Ces derniers arrivent à l'intestin grêle et favorisent l'assimilation des aliments. Par conséquent, l'altération de cet organe provoque des effets assez graves, surtout que ces mêmes enzymes peuvent se retourner contre le pancréas et l'attaquer. Comme signe de pancréas malade, en numéro 1, nous avons la douleur. La douleur apparaît dans la partie supérieure de l'abdomen et derrière l'estomac. De plus, il faut savoir que cette douleur apparaît seulement dans la zone gauche et sous les côtes, provoquant une sensation de brûlure. Cette douleur peut apparaître juste après avoir mangé ou bu. On peut la ressentir surtout après la consommation d'un plat riche en graisse. Cette douleur peut commencer après avoir mangé et elle peut se propager et se prolonger de jour en jour et devenir plus intense. La douleur est plus intense lorsqu'on dort sur le dos car cette position gêne le pancréas et lui donne la sensation d'être étouffé. La douleur s'étend jusqu'au dos ou sur l'omoplate gauche. En numéro 2, la fièvre. Les enzymes qui sont en train d'attaquer le pancréas produisent une inflammation, ce qui va augmenter votre température. Il vaut mieux aller consulter un médecin dans ce genre de cas puisqu'il pourrait s'agir d'une infection. En numéro 3, les nausées. Elles peuvent être accompagnées de vomissements, ce qui fait que notre système digestif est dérangé et les aliments ne se digèrent plus bien comme il le faut. Résultat, le pancréas souffre d'une inflammation. En numéro 4, les maux de tête, la sensation de fatigue, l'irritabilité, la difficulté à se concentrer ou les maux de tête fréquents sont un signe indiquant que notre système immunitaire est attaqué et que les effets de cette faiblesse se font ressentir immédiatement. En numéro 5, la perte de poids. On assimile mal les aliments, ce qui fait que l'on n'obtient plus les bons nutriments. En réalité, notre pancréas est dérangé par les calculs biliaires. Il est détruit par ses propres enzymes. Il est donc normal que une personne qui souffre d'une maladie associée à cet organe puisse commencer à perdre du poids et ne pas pouvoir en reprendre. En numéro 6, la tachycardie. Notre rythme cardiaque s'accélère. On se fatigue facilement et on commence à respirer très vite. Aussi, cela signifie que notre corps souffre de faiblesse et que notre système immunitaire n'a plus assez d'énergie, ce qui fait que le cœur fait plus d'efforts que d'habitude. On s'étouffe et nos battements du cœur se situent à un niveau anormal. Concrètement, les statistiques disent que 80% des pancréatites sont causés par les calculs biliaires et par de mauvaises habitudes de santé. En outre, les calculs biliaires sont responsables du blocage des conduits
et empêche le pancréas d'assurer ses fonctions bien comme il le faut. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimeriez revoir plusieurs autres vidéos à ce sujet, likez la vidéo, commentez-la et surtout partagez avec un ami, la famille, afin que ça puisse aider un maximum de personnes. D'ici là, prenez soin de vous et on se prend dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Bisous, bisous. Bye bye.